Yahoo Dimansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo calendrier de l'Avent. Donc c'est la dernière calendrier de l'Avent, mais il y aura du coup une vidéo calendrier de l'après. Car je le rappelle au cas où, moi ce que j'aime c'est pas attendre Noël, mais attendre le nouvel an. Je suis désolée, je suis totalement éclatée. J'avais envie de vous montrer la fenêtre, mais en fait comme il y a un truc... La fenêtre est d'une matière, tu sais, où on ne peut pas voir à travers. Je voulais vous montrer qu'il faisait nuit et tout ça, mais ça ne servirait pas à grand-chose. Mais il est tôt. Tu vas me dire, en plein mois de décembre, Ibi, le soleil ne se lève pas tôt non plus, mais comme on est lundi, ben je pars cet après-midi, donc je me suis levée tôt pour faire un max de choses avant de partir. Ça commence à piquer tout ça. Bref, toujours est-il, nous sommes lundi 18, si je dis pas de bêtises, je reviens mercredi soir, je fais un aller-retour parce qu'en fait mardi j'ai la méchante psychiatre du coup, j'ai la coach sportive et j'ai la gentille psychologue en fin de journée et je vais aussi aller aider sur mon cash express pour le rangement, donc voilà. Donc les 3 jours sont ici. On va attaquer tout de suite. Donc, oh, trop bien! Le roi démon et moi et nos 10 enfants de Emma, alors que je dis pas de bêtises, Emma Toyama, parce que j'inverse toujours les syllabes. Voilà, à 5,40€ au lieu de 7,20€. Et l'étiquette jaune, donc Gilbert Joseph. On va mettre là. Et en plus, j'ai plus de batterie, c'est génial. Et je suis totalement éclatée, c'est génial. Alors, bah il a dû être acheté en neuf, ok. Donc à 7,20€, des éditions Pika. J'ai oublié de dire, c'est aussi Pika. How I Married and Amagami Sister. Je pense que le gars va devoir se marier avec une des 3 sœurs. Voilà. Pourquoi pas, à voir ce que ça donne. Je l'avais pas mis sur ma liste. Non, je l'avais pas mis sur ma liste. Ensuite, oh, à 5,50€, à Book Off. Je suis désolée vraiment si il y en a qui apprécient pas du tout que je baille, mais bon. Raging of the Seven Spellblade. Spellblade. Tu seras mieux le lire que moi, voilà. Donc, 5,50€ au lieu de 7,20€. Ok. Et oui, j'ai dit c'était Book Off. Je vous ai pas montré les qualités de dessin, pardon, alors qu'on est sur des tomes 1. Alors, ça je l'avais présenté, j'avais lu les pages sur, enfin, en format numérique. Voilà, c'est une humaine qui se retrouve dans un monde de démons. Elle doit apprendre à vivre dans le monde des démons. Et en plus, elle doit faire plein d'enfants pour aider le roi à être plus puissant. Ensuite, donc celui-ci. Oh, en version chibi et en version normale. Hop. Bien sûr, des scènes de « Oh, pas de chance, je suis tombée. Oh là 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 là. Oh, manque de chance, je suis tombée. » Voilà. Et pour le dernier, donc qui est aussi de Pika, Shonen. Une belle page de combat. Là, je me dépêche parce que je vois que la batterie est cliquée depuis le départ. Donc, ah super, il y a une page qui est un petit peu déchirée. Bon, c'est pas grave, c'est rien de bien méchant. Oh, joli.
Voilà. Donc je te laisse continuer la vidéo. Je pense que je vais faire la prochaine fois samedi parce que je pense pas que je prendrai le temps, me connaissant. Je pense pas que j'aurai le temps jeudi ou vendredi, sachant aussi le planning, parce que moi je sais le planning. Et après je te retrouverai sûrement dimanche pour le dernier jour pour cette vidéo. Et donc il y aura la semaine prochaine. Donc deuxième partie je pense de ce calendrier de l'Avent, j'ai dû faire lundi, mardi et mercredi. Étant donné que je savais que je partais lundi après-midi et que je rentrais mercredi après-midi, mais assez tard. Du coup, je pense que j'ai dû faire ça parce qu'au niveau des chiffres que j'ai, jeudi, vendredi et samedi, j'ai pas fait. J'espère que j'en ai pas planté un quelque part. Bref, le premier, il est tout fin, donc je pense qu'il y en a qu'un. Et les deux autres, je pense qu'il y en a deux parce qu'ils sont plutôt épais. Et comme je n'aime pas les briquettes, on oublie celui de Nabane que j'ai acheté qui était All Boy. Sinon. J'aime pas les... Vraiment, Naban, j'ai fait une exception pour eux parce que je n'aime vraiment pas les mangas, les briquettes. Ok, la fée des rois dragons et moi en chat. Ok, c'est un manga des éditions Nobi Nobi. Je pense pas que ça soit un Kodobo. Non, voilà, c'est un shoujo 11+. Donc, au lieu de 7,20€, on l'a eu à 4,70€ à la Bouquinerie Plus, du coup, à Bordeaux. Je crois que j'ai complètement oublié d'ailleurs dans les autres calendriers de l'Avent de mettre les adresses de toutes les boutiques. Donc j'essaierai de le refaire. Enfin, je retournerai sur les anciennes vidéos au moment où, le 24 ou le 25, je retournerai du coup sur les anciennes vidéos pour corriger tout ça. Donc là, je ne sais plus si j'ai dit, mais on est samedi 23 du coup. On est samedi. Voilà, tu te démerdes avec ça, on est samedi. Et je sais que j'ai depuis jeudi à faire. Voilà. Voilà. Donc ça, j'ai très très hâte. Je sais pas du tout en combien de tomes il y a. D'ailleurs, je le place au cas où parce que j'espère qu'elle continue à regarder mes vidéos en douce. Mais l'Insee Otaku, tu vois bien qu'il reste encore deux pandas. Il y en a un qui est censé être à moi, mais il y en a un qui est censé être à toi. J'attends toujours l'Insee. Je veux t'envoyer ton panda. Voilà. Vidéo 2. Vendredi. À chaque fois, j'enlève en fait les étiquettes des chiffres avant. Parce qu'on m'a fait après maintenant des petits, des sortes de petits papiers pliants. Oh ! Oh ! En occasion ! Donc, pour ceux qui savent, j'ai un petit souci avec les éditions Panini. Une petite rancœur, on va dire. Donc, je n'aime pas leur apporter des sous. Donc, quand c'est acheté en occasion, je suis content. Voilà, et donc là c'est une série terminée en deux tomes en plus, donc 6,25€ au lieu de 8,29€. Voilà, c'est une série terminée en deux tomes. Alors ce qui est marrant c'est marqué Sky High, et lui il y a marqué Karma, mais pas l'autre. Le dessin est assez particulier. Et si je dis pas de bêtises, c'est un mangaka qui a écrit une autre œuvre chez Panini. Donc ça serait, je crois, Shidoe. C'est ça. C'est Shindo. L'auteur de Shido. Voilà. Donc voilà la qualité de dessin. Hop. Et donc, pour aujourd'hui. Donc après, je filme. À la suite de ça, vous aurez donc demain, et je la poste normalement le 26, si je ne me trompe pas, ou le 25, non, le 25, et après il y aura donc celle jusqu'au 31. De toute façon, vous aurez le planning d'ailleurs des vidéos dans la barre d'infos. Ouh ! Je sais pas si c'est pas en... Oh, non, c'est en... C'est pas en 4 tomes, ça ? 4 ou 5 ?
par l'auteur de Alma. C'est bien, je n'ai pas lu Alma. Je te mets le nom de tome dans le mur du coup, parce que je crois que la série est terminée. Nous sommes sur un manga qui coûte 8,29€, il a été payé 5,40€, ça c'est cool. Encore à la bouquinerie plus, décidément. J'aurais presque leur demander une collab avec eux. Donc voilà. Les couvertures qui sont magnifiques, avec un effet miroir. Alors, je les trouve magnifiques, après c'est un peu chiant parce que quand tu veux faire des photos ou quoi, bah c'est très compliqué je pense, pour pas avoir de reflets. Et voilà, mais sinon je trouve ça super beau. J'espère que toutes les couvertures sont comme ça. Et voilà, c'est tout ce que je te montrerai. Donc je te laisse continuer la vidéo pour découvrir ce que j'ai reçu du coup pour le 24 décembre. Et n'hésite pas donc à tout moment à me dire quelles sont les séries qui t'intéressent le plus ou pas pour l'an prochain que je les présente. Voilà. Yahoo! Donc on se retrouve et on est le dimanche 24 au matin. Je me dépêche parce que la batterie, une fois de plus, est en fin de vie vu que j'ai filmé hier plein de vidéos. Et en fait, aujourd'hui, ce matin, je vais vous poster une vidéo sur YouTube, sur Ibi World. Et que cet après-midi, enfin ce soir, vous aurez... Pour moi, c'est au futur. Il y aura du coup deux vidéos, une vidéo sur Ibi Otaku avec... mes achats manga, si je dis pas de bêtises, et une vidéo sur Ibi World avec mes achats décorations de Noël parce que j'ai craqué à Centracor étant donné qu'ils font moins 50 sur tout le rayon, j'ai dit un manga, sur tout le rayon Noël. Bref, toujours est-il, le 24, ça a l'air d'être un grand manga, donc ça peut être. Après, je sais que normalement demain, il y a beaucoup plus de trucs vu qu'on sera le 25. Et je sais que 30 ou 31, il y aura aussi beaucoup plus de choses vu qu'on sera les derniers jours du mois. Et que moi, c'est plus ça. Et donc, je le redis, je ne sais pas si je l'ai dit dans cette vidéo ou quand c'est que je l'ai dit dans... On sait que je l'ai dit dans un des calendriers de l'avant. Mais c'est que moi, il y a aussi un calendrier de l'après. Donc, lundi prochain, il y aura aussi une vidéo calendrier avec les jours de l'après. Parce que moi, j'attends le 31 avec impatience parce que j'ai hâte d'être en 2024 et j'aime pas Noël en fait. Voilà! Et au moins aujourd'hui, on peut rien me dire pour ce poncho. Voilà. Donc, c'était... Oui, j'ai ouvert, j'ai regardé sans vous dire. J'ai enlevé sans regarder et sans vous dire. C'est le tome 2 du coup du manga Le Tigre des Neiges. Et la couverture est magnifique parce qu'elle fait très automnale. Donc Le Tigre des Neiges, si jamais j'ai déjà présenté le tome 1 en vidéo sur YouTube. Et voilà, donc là il a été acheté, je ne sais pas où, parce que je ne reconnais pas cette étiquette. C'est... je ne sais pas. J'allais dire, c'est pas les étiquettes de la boutique de Toulouse, mais peut-être. Bref, 9€ au lieu de 13€. C'est toujours ça, c'est 4€ quand même de moins. Sachant que c'est un manga qui est terminé, je crois, en à peu près 9 tomes. Et que du coup, bah, ça coûte une douille. Donc c'est pour ça que je crois que j'ai lu le tome 1 il y a 2 ans. Si je dis pas de bêtises. Voilà. Et que de base, techniquement, je suis en collab avec le Lézard Noir. Il m'avait dit, tu nous dis les titres et puis on te les envoie en numérique uniquement. Mais tu nous dis et tout ça. Et je n'ai jamais pensé à demander. Donc voilà. Bref, toujours est-il. Le Tigre des Neiges. Je vais te montrer 2-3 images, mais je pense que ça va te spoil, forcément. Essayer de montrer des pages juste intelligentes. Voilà, hop. Je vais pas très loin pour pas trop spoil. Voilà. Oh. C'est tellement blanc ou quoi que ça n'a pas fait la mise au point. Non, fais pas le focus sur moi. Non, toujours pas le focus sur moi. Voilà. Hop. Voilà, donc j'ai très très hâte, mais j'espère qu'il y aura le tome 3 ou 4 dans la suite, parce que bon, si je dois sortir l'argent, ça va piquer, et je viens de voir qu'il y a une guêpe derrière moi. J'ai
J'ai pas mes chaussons. Youpi, je vais devoir la tuer avec potentiellement un manga. Bref, cette vidéo est donc à présent terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire lequel des mangas tu as préféré. Je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye, je vais aller tuer la guêpe.